c'est Guy. Je vais vous raconter des choses. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un prince qui est très petit. Le premier jour, il rencontre un ami, c'est un pilote qui s'appelle Saint-Exupéry. L'importance de la pilote est très connue. Il pense comme les enfants seraient-ils leur aventure. Puis le petit prince raconte son histoire d'amour, l'histoire de sa rose qui est un amour. Il partage un amour, mais la rose est mentie. Et le petit prince est trop jeune et il est sorti. Le petit prince est livre, un livre pour tout. Ce livre enseigne les leçons pour nous. Et dans la chanson, nous chantons de l'importance de la vie. Nous oublions souvent d'hériter et voir la vie, la vie. Alors, petit prince, commence un voyage. Il faut vivre la mort et être plus sage. La première planète habitait un roi, mais il y avait vide du pouvoir. Il n'y a personne pour être gouverné. Alors, petit prince a pu lui quitter. La deuxième planète, il y a le Veneto. L'homme est très égoïste, il pense qu'il est humain. Il veut ce monde pour être glorifié. Alors, le petit prince a pu lui quitter. Le petit prince est un livre pour tout. Ce livre enseigne les leçons pour nous. Et dans la chanson, nous chantons de l'importance de la vie. Nous oublions souvent d'hériter et voir la vie, la vie. Le troisième planète, il y avait une beuveuse. Son visage est rouge et attire de douleur. Et boit pour oublier qu'il boit. C'est bizarre, dit le petit prince. Et il part sur la quatrième planète. Il y a une businessman. Il compte les étoiles toutes les semaines. Il fait parce qu'il veut les avoir. Et le petit prince quitte le champignon bizarre. Sur la cinquième planète, il existe une allumeur. Il met le réverbère tous les jours. Et chaque jour dure une minute. Le prince admire son travail ridicule. Le prince lui le suggère une idée, mais la mère a sommé et le prince a quitté. Le petit prince est un livre pour tout. Ce livre enseigne les leçons pour nous. Et dans la chanson, nous chantons de l'importance de la vie. Nous oublions souvent d'hériter et voir la vie. La sixième planète, il y a le géographe. Il reste dans son bureau et est une cartographe. Lorsque les explorateurs vivent et travaillent, géographe est souvent trop borné. Aïe, prince veut voir un homme normal. Il écoute au géographe et il va local. C'est la terre d'Afrique, un désert de sable. Il enseigne le monde véritable. Il a plus voisin Renard et Saint-Exupéry. Par le serpent, il laisse la terre après unie. Pulse.